Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes très chères sœurs. Ça y est, les freebies et vos cadeaux sont en ligne. Alors, il y a deux fonds d'écran pour l'ordinateur, donc en anglais et en français. Deux fonds d'écran avec des termes islamiques pour le portable. Des stickers, une planche de 12 pour chaque langue. Donc, pareil, une planche en français, une planche en anglais, c'est les mêmes stickers. Alors, on m'a fait la réflexion qu'il y avait des choses qui ne se disaient pas, comme c'est une hamdoulilah de la journée ou c'est une bénie journée, qu'on dit une bonne journée. Oui, je le sais très bien. En fait, il ne faut pas prendre au premier degré, c'est justement le mot bonne que j'ai voulu changer en mettant des choses un petit peu différentes. Donc, c'est pas des choses à prendre au premier degré, c'est plus léger. Voilà, donc j'ai fait les mêmes en français et en anglais, j'ai juste traduit et j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des suggestions pour les prochains freebies, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou en commentaire sur mon Facebook. Et puis si vous utilisez toutes ces petites choses, ça me ferait bien plaisir d'avoir des screenshots ou des photos, des stickers. Alors pour faire vos stickers vous-même, vous avez juste acheté des papiers autocollants, on en trouve dans certains grandes surfaces ou en ligne, des pages de papier autocollantes. Et puis, après, il faut découper, coller. Mais bon, si vous avez une big shot, du matériel de scrapbooking, vous pouvez peut-être trouver un dies qui couperait la bonne taille. Vous avez un kit d'une trentaine de papiers. En fait, c'est le même motif décliné dans plusieurs couleurs, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et puis, moi, j'aime bien aussi mélanger. Si vous n'avez aucune idée, vous vous dites, oh, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces merveilleuses pages? Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des petites vidéos YouTube avec des petites choses que je vais faire moi-même avec tout ça. Donc j'espère encore une fois que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions ou vos avis en commentaire ou en message privé. Je vous ai également fait une feuille avec des questions pour votre journaling, des questions auxquelles vous pouvez réfléchir, vous pouvez écrire, vous pouvez, voilà. Alors soit vous la collez comme ça, comme page d'accueil en fait, comme à votre journal, à toutes vos réflexions par rapport à ces questions, ou alors vous pouvez découper chaque question et les coller et répondre en dessous, utiliser la petite illustration sur le côté, la découper, l'utiliser pour complètement autre chose si vous voulez, libre à vous, laissez parler votre créativité, votre imagination, c'est fait pour ça, c'est fait pour vous. Les semaines suivantes, je vais essayer peut-être de faire plus de pages pour le journaling, divers et variés, pour les plannings, pour tout ça. Et voilà, tous ces freebies, c'est un avant-goût de ce que vous pourrez trouver sur Patreon si jamais vous décidez de vous abonner. Alors je récapitule, j'ai 3 abonnements. Je vais peut-être changer les prix bientôt. Donc le premier, c'est à 3 pounds, l'autre 5 et 10. A bientôt, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.